marre parce que là, on rigole plus. On commence par quoi? Xavier Masterchef. On va vous raconter la dernière histoire. Comment on était les meilleurs chefs cuisiniers Masterchef. AS, parce qu'on était. Attends, je vais modifier. Hop. Pardon, je ne sais pas très bien. Hop. Master Gastro. Ça nous correspond mieux. Avec Lauriane, il y avait quelque chose qu'on aimait beaucoup. C'était la bouffe. Surtout qu'on avait budget illimité. Ah oui. Quand on était chez mamie. Attends, donne des exemples. Genre, alors, vous savez les petites. Les céréales en petites. Un petit pot là. Ouais. Individuel qui coûte, mais la pollution. Non. Les boîtes. Je sais pas combien il y en a. Vous devez avoir une dizaine dedans. Mais en fait, c'est simple, dès qu'on avait terminé, il y en avait d'autres qui arrivaient. Non, mais c'est surtout que genre, on pouvait en manger à 15h. Elle disait, mais c'est bien, vous avez faim, les enfants. Mamie. Ouais, on a fait comment pour pas être obèse, quoi. On devait être obèse, non. Alors, moi, je le sais, mais toi, non. Mamie, elle disait que c'était très bien. On aurait pu avoir du diabète, hein. Elle était contente quand on mangeait. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, elle continue toujours. Il faut manger. C'est très important. La devise de mamie, il faut manger pour bien manger. Et du coup, nous, notre repas préféré, c'était le goûter. Attends, je vais changer de couleur parce que là, c'est tout noir. Le goûter. Goûter. Accent circonflexe. Goûter. Et mais, nous, on mangeait pas n'importe quel goûter. On avait des recettes. On avait des... Les recettes de Xavier. Alors, vous attendez, je vais prendre un nouveau truc. Je vais faire recette numéro 1. Recette numéro 1, si vous voulez avoir le diabète. Recette 1. Recette 1. Diabète 2. Il vous faut pour ça une plaquette de beurre. Bien gras. Demi-sel ou juste, oh, juste du beurre. Tant peu importe. Tant que c'est gras, ça marche. Tant que c'est gras. Et même des fois, il était tellement un peu vieux. Tu te rappelles que niveau conservation, c'était déjà la merde. Surtout quand on le touchait avec nos doigts, ouais. Il fondait. Il était à moitié jaune, à moitié blanc, à moitié pourri, quoi. C'est pas grave. C'était du beurre. Ensuite, il vous faut un petit paquet de Frosties. Petit? Tu parles des 500 grammes gratuits? Paquet. Avec la promo, c'est important. Oui. Oh merde. Oh putain, je sais pas comment j'ai... C'est pas grave, c'est pas grave, tout le monde comprend. D'accord. Les Frosties, faut juste dire que c'est le truc putain, le genre... plus sucré du monde. C'est-à-dire que tu bois 2 litres d'eau après. Voilà. Frosties. Et c'est après, attention parce que ça va très vite. Voilà. Vous prenez un petit bout de beurre à la main. À la main. Vous formez une boulette. Vous en faites une boule. Vous la roulez dans le sucre. Ah oui. On a oublié le sucre. Ah bah oui, parce qu'il n'y en avait pas assez sur les Frosties. Sucre en poudre. Écris bien parce qu'on dirait que t'as marqué sus. Précise, tu vas changer de... Tu vas changer de public, Julien. Et du coup, il faut mettre le sucre dans une assiette et bien rouler la boule. Qui commence déjà à fondre, du coup. Qui est dégueulasse. Du coup, ça fait une... Attends. Une boule. Attends, j'ai fait plein de points, en plus c'est chiant. Ça fait une petite boule au sucre. Après, on s'emmerde pas, hein, t'as qu'à juste ouvrir le paquet de Frosties. Après, tu prends le paquet de Frosties avec ta grosse main d'obèse. Dans... Pleine de gras. Pleine de gras. Tu en mets partout, sur la boîte, et tu les plantes plus ou moins aléatoirement. Ah non, non, ma technique c'était de shooter la boule de beurre à l'intérieur. Hein. Ah, m'en fous. Ah, tu l'as mis. Tu l'as mis des temps. J'arrive à la déco, hein. Le pack de la vie. Ah bon, on change la recette. Vous prenez la boule de Frosties ouverte, comme ceci, avec là, bah, du coup, le paquet ouvert. Les petits Frosties. Et vous lancez cette merde à l'intérieur. On roule, on roule, on roule. On roule, c'est très important. Et on sort le cancer. Oh, c'est l'horreur. La boule grasse et sucrée à la fois. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que sur la boîte de Smax qu'on a eu chez papa et maman, il y avait les roses des sables. Oui. Je pense que ça devait nous travailler, mine de rien, cette histoire. On dirait un fou, hein. T'avais envie de goûter les roses des sables. Et comme on voulait... Enfin, on voulait pas nous laisser le four, ce qui se comprend, finalement. Bah voilà, moi je pense qu'il y a une histoire derrière tout ça. Et voilà, et ça c'est notre bouche. Voilà, on était un peu vorace, hein. Manger de vrais petits piranhas. Et ma mère qui disait, c'est bien, c'est bien. Ils ont bien mangé, je dis. Ah oui, ils sont en pleine, ils respirent la santé.
Et on avait trois comment cheveux. On a fait pour pas avoir de diabète. Et on mange ça. Alors, on n'en mangeait pas qu'une ou deux. Hein? Une ou deux, non. Je vais vous dire, des deux, il y avait quand même une qui abusait plus et qui ressemblait à un gros boudin et ça... Ça, c'est un autre problème. C'est Lolo. Après, elle a mangé... Je ne supportais pas cette coiffure. Les boules de... On dirait pas une peau. Ah, je pensais que c'était ma tête. Et là, genre l'espèce de boule de pu qu'on mettait en haut, là, pour faire un chouchou, un palmier. Ah oui. Attends, je refais. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça. Ah, c'est l'horreur. C'est le stress, hein. T'avais quand même des jambes un peu fines. Oui. Alors, et, la deuxième recette... Recette à décliner avec des boules du Nesquik aussi. Ah oui, alors après, vous pouvez vous permettre des petites... On peut varier les plaisirs. Voilà, du Nesquik aussi, ça passe très bien. Tant que c'est très sucré. Très gras et très mauvais pour la santé. C'est validé. Mais par contre, nous, on mangeait et on bougeait à côté. 5 fruits et légumes par jour. Ah oui. Ah oui, parce que bon... Franchement, en plus de ça, on bouffait quand même. Il y avait des vrais repas. On va pas se leurrer, ça cale pas non plus des masses. Non, si je suis une boule de grain, franchement... C'était un appétit. Il nous en fallait beaucoup plus. Hein. Enfin, du coup, on... Par contre, faut bien leur préciser, ne faites pas ça. Ah oui, non. Là, on avait genre... On avait quoi? J'étais une pente sixième. On était jeunes, ça passait. Ouais, on était jeunes, ça passait. Maintenant qu'on a les hormones, les enfants, c'est fini, ça. Ah non, non, non. C'est terminé. Mais non, mais du coup, la deuxième recette... C'était les fruits à base de fruits. Oh là là. Recette 2. C'est fruits plus. C'est doigts, jus de doigts. Oh non! Recette 2. C'est. Bien, sa recette, hein, parce que là pour le coup on s'est séparés au niveau des choix culinaires. Ah oui, on vous fait deux recettes. Recette 2. Alors, première, tu veux faire ta recette? Vas-y, fais ta recette. Alors, moi c'est très simple. On s'emmerde pas. On va partir sur quelque chose qui est déjà fait. Oula. C'est très gros, c'est très gros. Mais en plus, je crois que c'était au chocolat ou pas? Mais c'était les petits lules avec petits écoliers. Voilà, c'était ça. Petits écoliers. Maintenant, ils font... Écoliers. Et c'était prédestiné, ça, déjà, petits écoliers. Hein. Hop. Et donc, c'est pas compliqué. En plein cagnard. C'est très surtout, important c'est très, très important pour la suite. Hein. En plein cagnard. Vous prenez un skateboard qui a roulé dans la merde de Labrador. Hop, on dirait une voiture. C'est pas grave. Une voiture. Hop, c'était un skateboard de voiture. En même temps, il était tellement laid ce truc. Mais le soleil, c'est pas, il n'y a pas de problème d'hygiène parce que le soleil, ça enlève les bactéries. Oui, enfin, on avait quand même roulé dans la merde dessus. Ça fait. Hop, après on marchait dedans. Hop, après on faisait du skateboard et après on faisait la cuisine dessus. Bon, ben on rentabilise. Il était même pas à nous. Bouffait, il était même pas à nous, Lolo. Non, il était pas à nous. On en reparlera peut-être dans un autre épisode, mais on a découvert des choses dans cette maison, nous. Donc, en plein cagnard, nous déposons les petits écoliers. Alors, sachant qu'il faut enfermer l'espèce de gros chien, on prononcera pas le nom, mais sachez qu'il lui allait vraiment très bien. Oui, parce que si vous faites ça dehors, attention, le chien peut venir le manger, votre préparation. Et je vous rappelle que c'est pas bien, parce que c'est du chocolat. Ça empoisonne. Oh, le pauvre, c'est pas ça qui l'aurait tué, hein. Ah, voilà. N'est-ce pas? Il était obèse. Non, il était gentil. Oui, je ne balance pas. Donc, le soleil en plein cagnard. Et là, la recette, c'est très simple. Combien de temps à peu près? Vous barrez pendant un temps. Bon, je sais pas, hein, juste le temps de vous faire chier, d'aller emmerder Xavier et de revenir. Hein, ce qui fait à peu près 40 minutes, à mon avis. Une fois qu'on a fait le tour de la maison. En plus, tu devais oublier, non? De quoi? Tu devais les laisser là, t'oublier après. Ouais, bah carrément. Et après? Bah quand la dalle en fait te prend, hein, c'était tout fondu. C'était bon. C'était tout fondu, mais bon, ça te coulait pas non plus sur la merde du skateboard, hein, c'était quand même concentré dans le biscuit, c'est juste que c'était tout mou. Donc il y avait plus qu'à lécher. Il y avait plus qu'à lécher, là c'est ma langue. C'est hop. Il y avait plus qu'à lécher. Oh l'organe. Non, 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 non. On dirait Psycho Quack. Non, on dirait une teuf sur merde. Attendez, je me reprends. C'est pas du tout ce que je voulais dire, messieurs dames, attendez. La 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 la. Alors, on va essayer de faire le truc pas trop laid, voilà, donc ça c'est mon nez, c'est toujours très réaliste, hein. Hop, ça c'est ma bouche, ça c'est Cléopâtre, voilà, et moi je... Ah, on dirait toujours une bite. C'est bizarre. En plus, j'ai pas le droit de dire de gros mots, non, sinon je vais être verrouillée. Je monétise pas, donc on peut dire... On peut dire des gros mots? Oui, tu pourras mettre des bites, parce que j'ai une conscience professionnelle. J'ai dit une éducation nationale. Alors, hop, 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 hop. Et slurp. Donc moi ma recette s'arrête là, c'était pas bien compliqué. Hein. Si ce n'est que j'ai dû à mon avis ingérer plus de bactéries et de micro morceaux de crotte de chien, mais bon.
Voilà, donc je laisse place à la recette numéro 2. Et t'as dépassé sur mon carré. Hein. Pardon, excusez-moi, mais là je ne participe pas à ça. Et puis bien sûr, excusez-moi de vous le rappeler, mais quand on avait fini ce bordel, enfin quand j'avais tout bouffé, il y avait quand même les groseilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Parce que même si c'est dégueulasse, tout le monde le sait, hein, sur une espèce de fraisier d'anniversaire, personne ne bouffe, c'est juste joli, mais c'est un fruit tellement lâche. On dirait que c'est beau et tout, mais en fait c'est dégueulasse. Mais bon, écoutez, voilà, donc les groseilles. Tiens, je te laisse la main. Les groseilles. Alors, tu me permets, hein, j'efface... Oh merde, ça. Ah non, attends, parce que j'ai effacé un peu ton skateboard. Hein. Moi, c'est beaucoup plus healthy. Déjà, à l'époque, c'était de la déco, quoi. Alors, moi, c'est très simple parce que vous avez juste besoin d'un arbre qui produit des... Pourquoi c'est bon? Ah, bon, d'un arbre qui produit des cerises. C'était quoi? C'était des... Putain, c'est pas des bigorneaux, comment ça s'appelle? Des bigarreaux. Des bigarreaux. Ouais, les bigorneaux, c'est une autre histoire. Les bigarreaux. Alors, et vous avez besoin d'un verre aussi, parce que ça se boit. C'était un super verre. Bon, bah c'est pas grave, tant que ça peut contenir un liquide. Le plus pourri, parce que même disait, ah, tiens, prends ce super verre. Pour faire tes vieilles recettes, comme ça tu me niqueras pas ma vaisselle. Alors bon. Donc voilà. Attends, je vais me faire. Il vous faut des doigts. J'étais très content parce que j'avais l'impression d'être Philippe Etchebest. Parce que mamie te disait, c'est bien mon petit Xavier. Oui. Allez, vas-y. Alors c'est moi, tirer le loulou. Ta soeur, elle aimait, je t'attends, mais t'allais, vas-y. Hop. Et donc, je découpe ça avec mon petit. Tu cuisines vraiment beaucoup. Mais non. Ah bah, voilà, tu m'as fait foirer ma jambe. T'as un pied beau. Alors, et du coup, il faut cueillir les cerises. Et après là ça devient, ah oui, vous prenez une dizaine de cerises. Dizaine. Vous prenez une dizaine de cerises. Et là après ça devient très complexe parce que il faut en même temps, comment dire, ça c'est, attends parce que... C'est ta main, t'avais déjà la lettre, je comprends pas. Il faut en même temps. Oh là là, dégueulasse, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Pressé. La cerise avec beaucoup de ferveur. Putain, hashtag Ariel quoi, t'aurais pu faire la lessive. Voilà, pour que le jus s'écoule dans le tupperware. Mais attention, pas de noyau. Pas de noyau. Et donc, attends, oups. Une fois que vous avez pressé votre dizaine de cerises, vous pouvez transvaser ça dans un verre donc de type, voilà. Hop. Et la porter à quelqu'un que vous aimez. C'est-à-dire mamie, ma conférence. Mamie. Alors, ouvrir une autre vignette pour montrer où est-ce qu'elle le foutait dans le jus. Mais moi j'ai compris ce qu'elle faisait du jus que très récemment. Parce qu'elle faisait genre. Comme ça et tout. Mais non, mais moi je lui ai apporté tel le Graal. Attends, merde. Donc mamie était là. Dans la serre ou au groseille. Au groseille. Mamie était là. Chérie, ah, tu l'as trop bien fait. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est bien. Et moi, j'étais là et je lui donnais tel le Graal. Oh. Et voilà. Et elle ne le buvait jamais devant moi. Ah, mais non, je peux pas avoir une main. J'ai déjà les mains qui sont. Non, c'est une compagnie, ça c'est autre chose. C'est déjà pris. Pizza. Mamie. Et du coup, je me souviens qu'elle le prenait là dans sa petite main. Et elle me disait, va continuer à t'amuser là-bas, oui. Je le boirai quand tu seras partie. Et après, j'ai compris qu'en fait... Elle le foutait dans la haie. Elle le jetait là. Elle le jetait par terre. Là, dans les groseilles, je sais pas. Elle a déjà tout bu. Et du coup, moi, quand je revenais... C'est trop bien, je vais pouvoir en faire plein d'autres. Elle me disait avec le pouce, c'était bon. C'était vraiment délicieux. Elle est dégueulasse. C'est chaud. Donc voilà, c'était ma recette Elsie à base de mico. En plus, je crois que je ne lavais même pas les mains. C'est dégueulasse. Et genre, je caressais le chien. Comment on a fait pour pas te faire? Je caressais le chien qui était ici, oh. qui bavait. C'est très bizarre. Voilà. Et après, je pressais quelques cerises que donnait encore cet arbre parce qu'on a réussi quand même à dépouiller l'arbre parce qu'on le bouffait entre deux groseilles qui étaient là. Voilà, c'était les recettes.